Bonjour, bonjour. Vous les avez peut-être croisés sur la route de vos vacances. Ce sont les maîtres de la pétanque dans ce mini Tour de France qui a débuté début juin, 6 étapes. Ça fait 14 ans que cela dure et vous avez apprécié leur talent. Et nous sommes ici à Baltard, dans un lieu mythique qui a été classé monument historique en 1982. C'est ici que va avoir lieu le sprint final, le dénouement entre l'équipe de France avec d'un côté Suchot, Le Boursicot, Rocher et Lacroix face à l'équipe Sevilla et un certain Philippe Quintet. Pour en parler avec nous, un grand spécialiste, Michel Loi, trois fois champion du monde, trois fois vainqueur des Masters et notamment tenant du titre en plus. Alors c'est vrai que cette finale est une finale de rêve. Oui, une finale de rêve avec Philippe Quintet sur le banc, Philippe Suchot de l'autre côté sur le banc. Donc six joueurs de très haut niveau, l'équipe de France grande favorite pour les championnats du monde. Une belle partie en perspective. Voilà, les champions sont prêts, nous le sommes aussi, Michel. Alors place au jeu. C'est parti pour cette finale des Masters 2012 avec le privilège pour Mathieu Gasparini, ce jeune compétiteur de 30 ans qui ne fait pas partie du Gotha mais qui a beaucoup de talent. Donc c'est lui qui a eu le privilège de lancer la première boule de cette finale, finale en 13 points. Et nous allons voir qui va vous succéder, Michel Loi, au palmarès, ou qui l'avait gagné à Istres l'an passé avec Malbec, Puccinelli et Dylan Rocher, qui est ici bien présent dans l'équipe de France. Le point, c'est stratégique à la pétanque. Et c'est un art consommé que connaît sur le bout des doigts ce grand maître qu'est Henri Lacroix. C'est sûr qu'on peut, voir que Philippe Quintet, je pense, on sait que c'est un monsieur de classe, a laissé la place à Mathieu pour qu'il fasse plaisir en finale. Voilà, c'est ce qui fait qu'il n'est pas dans la composition active de cette finale. Il a laissé sa place justement à Mathieu Gasparini, histoire de dire, voilà, ça aussi c'est l'esprit sportif de l'immense champion qu'il est. Alors, Christophe vient de débuter cette finale par un trou. Mauvaise entame. Mauvaise entame pour l'homme qui est tout simplement recordman du monde, vous le voyez ici, en gros plan, recordman du monde du tir de précision avec 67. Mais la pression est énorme ce soir, car on essaie de s'offrir un titre important. Allez, vas-y, essaye. Allez. J'ai coiffé au final. C'est sûr que d'entrée, Henri a mis la pression à 9,80 m. C'est jamais facile de débuter comme ça. Il est long. Bien joué, Mathieu. Hein ? Bien joué. Bien joué, c'est bon. Je suis vite. Je suis dans l'esprit de prendre. J'ai pas de jeu court. Ah putain, j'entame bien, moi. Je tirais presque au bouchon déjà. Non ? Tu as rien dit. Ça fait qu'une de moins à jouer. Ça pense Simon. Ah, comme vous voulez. Si vous voulez en essayer nos buts, de toute façon, on amène. Bon, on est pas à jour. Je vais pointer les deux miennes. Si je les fais compter. Ça fait que. La boule. Philippe, il dit tirer la boule encore. Alors, c'est important. On vous l'a dit. Ah, tirer la boule. Philippe Quintet, c'est lui. Le plus beau palmarès que la pétanque a. Et il est français, 12 titres de champion du monde, et je rajouterai deux titres de champion du monde comme coach en 2007-2008. C'est ce qui fait que ses conseils vont être précieux. Il vient de dire tout de suite, non, pas le bouchon, il faut tirer la boule. Par contre, c'est vrai que là, pourtant ça ne doit pas être souvent le cas, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse, parce que tirer la boule, s'il y a un contre, c'est dangereux. Vous vous rendez compte que dans cette finale incroyable, vous l'avez dit en préambule, Michel Loi, d'un côté Quintet qui est au repos, qui est là en attente, hein, parce qu'il peut rentrer à tout moment, et de l'autre, Philippe Suchot. C'est incroyable. Alors j'ai fait les comptes dans cette finale, et vous le savez que quand le timer, vous avez 60 secondes, une minute pour jouer une boule. Si vous dépassez ce temps imparti, vous recevez un carton jaune et ensuite ça peut aller jusqu'à la perte d'une boule. On n'en est pas encore là.
Allez, Simon Cortés, il faut vraiment se ressaisir au plus vite. Ah, il a peut-être cru devant de boule. Bah, le problème, c'est qu'il a pointé, mais c'est comme si qu'il avait tiré au but qu'il avait manqué, puisqu'il s'est noyé. Donc, du coup, il n'y a que 3 boules dans le jeu, avec possibilité de ciseaux sur le premier tir à Dylan. Donc, ça peut faire cher. C'est pas la bonne. Eh ben, c'est mieux que rien. C'est ça. Allez, ouais. C'est un effort à l'ordre encore. Allez. Oh putain. Oula, là, il a fait des dégâts, il a tourné la main. Eh ben, dites-moi, on peut pas dire que ce soit un début en fanfare, il a carrément tiré la sienne. Alors, oui, ce qui est incroyable, très étonnant. Surtout, c'est que les deux fers de lance de l'équipe de France, de l'équipe Sevilla, ont manqué double. C'est ça. C'est du rarissime à ce niveau de compétition. Et malgré ça, même ça peut Suchon encore faire une mène de 3 si jamais Philippe Bruno tire bien retourné. Et maintenant, c'est Bruno Le Boursicot, champion du monde du tir de précision en titre. C'était à Izmir il y a 2 ans. Il l'a chiqué. C'est ça. D'abord, on mène de chauffe. Ah, c'est plus que ça. Hein. c'est du diesel. Hein. C'est vrai. C'est la même qu'on doit faire là. Putain. Applaudissements pour Monsieur Lacroix. Essaye de mettre un coréen, ça serait pas mal. Dans une main où c'est vrai qu'ils auraient pu en perdre. Ah, bah ça pouvait être une complète, même. Hein. L'équipe de France va marquer, certes, mais ils vont s'en contenter un petit peu moins. Allez, 2-0 pour l'équipe de France dans cette première main. Très surprenante. C'est la deuxième main avec Henri Lacroix. L'équipe de France mène 2-0 face à l'équipe Sevilla. Évidemment, vous le savez bien, la finale est en 13 points. Ouais, maintenant, de toute façon, toutes les finales sont en 13 points. À l'époque, le championnat du monde, c'était 15. Ça a résisté, oui. C'est ça. Mais je crois que c'est grâce à la télé, tout ça. Allez, Chris. Pas seulement. Allez, Christophe. Alors, joli point. Sevilla reste sur 2 trous. Important de reprendre tout de suite la partie. Ah oui. Ça va ? Elle est partie, c'est important. Oui, parce que dans cette finale, c'est vrai, la première main, Michel, elle est surprenante. Parce que quand on regarde, on l'a pas détaillé encore, mais quand on regarde le palmarès de tous ces champions, au cumul, je viens de les compter, c'est 36 titres de champion du monde. Rendez-vous compte. C'est sûr. C'est énormissime. Mais comme quoi, toutes les finales sont pas forcément faciles à débuter. Mathieu Gasparini. Waouh, bien. Il devrait faire une belle partie au point parce que c'est un garçon qu'on voit très bien les boules aussi. Bon, pas trop de problèmes au niveau du règlement, vous l'avez vu, parce que dans des grandes compétitions style championnat du monde, vous le savez, si vous voulez boucher un trou, même si c'est pas le vôtre, vous y avez droit, mais pas plus. Pas plus. Là, je viens de voir quand même un peu Henri, qui s'est octroyé un petit matelas de gravier. C'est vrai que ce terrain-là ne donne pas de trou, en fait. Donc, il permet un petit peu de profiter un petit peu du règlement, mais il n'y a pas vraiment de trou et d'impact. Justement, un mot sur le terrain, là, que l'on voit. On le voit, d'ailleurs, il y a beaucoup de gravier. Il est très dur parce qu'en fait la texture en dessous est très difficile. On entend au bruit de la boule, c'est vrai que c'est dur. Ah, Christophe encore. Avec Christophe Sevilla. Boule délicate à tirer parce qu'il y a possibilité de contre. Ah,
Vous l'avez bien senti, Saint-Michel, il y avait bien eu le contre. En plus, on joue très très loin, boule de retard, c'est vrai que super reprise d'Henri qui ouvre la main, comme on dit. Allez, Mathieu. Et Mathieu Gasparini, qui est de la boule sedanaise. Mathieu. Ben, il n'a pas joué en demi, c'est ce qui fait que Philippe Quintet lui a dit tu pourras jouer la finale. Ben, alors, surtout que l'année dernière, bon, il était qualifié pour les demi, il n'a pas joué non plus quand c'était contre nous. Donc. Alors il a une particularité, ce garçon, c'est qu'il est premier au classement des nationaux 2008 et même en 2012. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois, il arrive soit en finale, en demi ou en quart. Et chaque année, il m'a dit qu'il en disputait entre 30 et 40, ce qui est quand même énorme. C'est ça. Quand on sait qu'il y a 52 semaines. Dylan, il devait l'avoir. Hein. Duron, on est dans l'axe. Allez, Dylan. Allez, cette fois. Ah, c'est sûr que manquer trois boules de suite, ça lui arrive pas souvent. Ah non. Et même quatre. Et quasiment au même endroit. Deux fois sauté. En plus, ils sont quasiment obligés de retirer parce que le point est quasiment ingagnable. Ah ben oui. Ben Bruno, il faut tirer. Hein. Ingagnable, deux boules à deux. Ça évite un peu, si tu peux. Allez, allez, force encore. Un peu abattu, Philippe Suchot, il dit rien. Tout de même, sur son siège, il se demande ce qu'il se passe. Alors, Bruno Le Boursico, cinq fois champion du monde. Bravo. C'est parti. Bien. Alors maintenant, c'est au tour de Simon Cortès. Allez, Simon, c'est de le faire bon. Déboule à une. Allez, Simon, essaye de venir prêt, allez. Allez, Simon. Normalement, il devrait marquer. Simon Cortès, champion du monde en 2005. Deux fois champion de France. C'est sa 11e participation à ces Masters. Et il a déjà gagné cette compétition en 2010, justement avec la Dream Team. On la croit. Exactement. Ça va, ça va, ça va. Bien. C'est sûr que c'est pas la position idéale, mais bon. Alors il est un petit peu long, Simon Cortès, si Bruno Le Boursico vient le gagner, bah, il peut rendre le contre de tout à l'heure, il peut récupérer la marque. Il faudra tirer pour marquer. Bruno Le Boursico qui a été donc 5 fois champion du monde, notamment en 2004, j'aime bien vous le rappeler, Michel Loise était à Grenoble. Avec Uro, Rocher et vous-même, Michel. J'aime bien lui rappeler aussi que c'est la première fois qu'il avait gagné. Ouais. Et Simon va devoir enlever cette boule. C'est important de marquer là, parce que bon. Un tir de précision. Le bouchon peut très bien bouger. S'il est noyé, bah, comme il n'y a plus de boule de chaque côté, cette main sera nulle. Ou alors le bouchon peut aller sur la gauche, en faire deux. Ouh, il est court, décidément. Ça, c'est grave. Alors, grave parce que du coup, un point pour l'équipe de France. Dylan a manqué 4 boules et il va mener 3-0. Donc, je pense qu'à mon avis, la série risque de s'arrêter. Bien. Arrêtons. Allez. Facile de raccourcir, même toutes les mains comme ça. C'est ça. Non. Ouais, ouais. Non, faut rester pareil. Mais... Bah, il me semble. Ouais. Ça, je ferais pas pire. Hein. Non, mais là, ça serait bien. C'est bien joué maintenant. Toutes les mains comme ça, donc. Allez, continue à te mettre dans le bouchon. Allez, Riton. La troisième main avec Henri Lacroix. Bravo. Elle était belle en l'air, elle est belle à l'arrivée. J'ai pas vu la distance de jeu, mais... Là, ouais, 60. 8,60. Il ne faudrait surtout pas calquer le jeu sur le fait que Dylan ne tire pas bien, parce que dès qu'il va enclencher, donc, j'aurais presque tiré, moi, à 0,3. Et il l'a perdu.
Mathieu Gasparini. Manque de hauteur un peu. Il est pas ? Non. Ah, faut tirer maintenant. Faut tirer maintenant. Allez. C'est vrai qu'on sent que la partie pour l'instant n'est pas lancée. Allez, Christophe. Pour l'instant, les joueurs sont dans leurs petits souliers. Bon, eh bien voilà, ça commence peut-être de là, avec un carreau de Christophe Sevilla. Fais-moi un peu de place. Alors, Dylan Rocher ne peut pas faire plus mal que ce qu'il a fait. Eh bien, lui aussi a retrouvé ses esprits. Avec un rétro. Bah, comme je vous dis, quand on a manqué 4 boules et qu'on mène quand même 3-0, sachant la valeur déjà de l'individu, c'est clair, ça ne peut pas durer longtemps. Et Henri va tâcher de le gagner. Alors, petite précision, savoir que dans ce Tour de France, eh bien, l'équipe de France a gagné 3 étapes. Firministe est la deuxième à la mi-juin. Et les deux dernières à Pornic. Loire-Atlantique 7 et 8 août et la dernière à Beaucaire dans le Gard. Ah, bien. Et important parce que c'était précisément contre Cortés Quintet Gasparini. Non mais j'ai eu Philippe tout à l'heure qui me disait qu'ils avaient joué 3 fois contre, dans cette formation-là contre l'équipe de France et qu'ils avaient battu 2 fois. Et ils mènent 2-1, c'est ce que je voulais vous dire. Mmh. Et justement, l'équipe Sevilla a gagné la 4e étape à la Baule les 3 et 5 août. Wow. C'est fait, là du coup, il a tapé 2 fois là Christophe. Thierry de 4 de suite dans, un carreau. On l'a en deuxième. Mmh. Ouais, c'est pour ça que j'ai su. C'est vraiment mauvais. C'est sympa, Zoé. Comme tu veux. C'est quand même pas si mauvais, mais là, j'ai touché un peu le bouchon en plus. Ouais, ouais. Allez, Didi. Allez, Dylan. Allez. Dylan Rocher. Allez. Allez, encore. Champion du monde junior 2005-2007. Le protégé d'Alain Bidot. Bravo. Avec un palais, s'il vous plaît. Ensuite, ça serait bien. Allez. Si, on a l'impression que à la troisième main, même tout le monde se et tout le monde se met sur les bons rails. Allez, poteau. Madame Dylan Rocher. Ça va. Elle va pointer là. Ouais, si elle veut gagner, là, ça dépend où tu le gagnes, il peut presque pas tirer. Ah, mon Bono. Que c'est derrière. Allez, Bono, essaie de faire l'effort tout de suite à la première, ça serait bien. Allez, Bono. Dès que tu viens par là, c'est bien. Allez, Bono. Partage votre avis. Ils vont donc pointer, c'est vrai qu'elle est derrière. Ah, c'est sûr que c'est un peu la même main que la main d'Aaron. Il peut se retrouver avec un tir délicat, il peut en tirer qu'une. Super, bravo. Bien. Et il a bien gagné en plus, hein. Pas super, n'importe où. C'est quand même le jeu de tirer parce qu'il a l'air dur à gagner de l'autre côté. Tirer, hein, Simon. Ah, ouais. Allez, vas-y, Simon. Regarde, rien. Allez, mon vieux. Allez, Simon. Allez, ça part de là. Va. Allez. Allez, Simon. Et Simon, il doit avoir encore en tête cette boule ratée à la fin de la deuxième main qui aurait permis à son équipe de marquer. Ouh, il est... Oh là là. Alors là, ça va vouloir un petit ralenti de la part d'Hervé Croza. On appelle ça un tir riche. Il a de la réussite. C'est ça. Parce qu'il a bien tiré 50 devant, non ? Oui, il est vraiment tombé court. C'est vrai que c'est un peu son tir, mais c'est pas comme ça qu'il attire. Ah oui, puis en plus, elle lui est sortie de la main, il l'a pas levé. En plus, non seulement il l'a enlevé ça, mais en plus, il a fait petit palais. J'ai l'impression qu'il y a 2 points par terre. Donc c'est vraiment un coup riche. Allez. Allez, bon, encore un coup. Simon qui a vraiment l'habitude de jouer avec Henri, ils font beaucoup de concours dans l'année ensemble. Donc, Et ben, il a bien gagné, quasiment la même place, il se court, sinon mieux. Oui. Il se voyait court. Allez, Simon, est pareil. Celle-là est importante. Ouais. D'ailleurs, on l'a entendu, ouais, il dit quand elle est sortie de sa main, il a eu un mouvement d'humeur. Et un petit sourire. Oui. Alors, important là, le tir de Simon Cortés. Très important. Ah, Simon. Oh, c'est pas vrai.
Aïe, aïe, aïe. Alors un point pour l'équipe de France qui petit à petit fait son nid. 4-0. Ah, les mènes de ouf. Alors, ce point, on reste encore une mètre. 4-0. Alors que nous allons jouer la quatrième mètre. Ah, il tombe. Ah, la première, c'est la même. Déjà, quand j'ai vu ce côté, j'étais. On va faire ça. Ok, tant mieux. Les gens, oui. Oh. La quatrième mène avec Henri Lacroix. Bravo, Riton. Imperturbable. Il a un contrat avec le bouchon. Jamais plus loin que 50. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Une grande chance pour cette épreuve de durer aussi longtemps. Grâce à la qualité des joueurs qui participent et à la joie de toutes les villes qui nous ont hébergés. Donc, cette année, finale à Baltard, on savait que c'était un très bel endroit et très propice au tournage, justement, pour la pétanque, cette finale magnifique. Et puis, l'année prochaine, pour la première fois, nous serons à Monaco devant le palais. Bien joué. C'est un cycle extrêmement prestigieux qui nous attend. Alors, bien joué de la part de Mathieu Gasparini, mais il l'a perdu. Exactement. Christophe Sevilla est encore moins du monde de tir de précision. Oui, mais quand même. C'est clair. Alors, ça va valoir un petit coup de mesure, l'occasion de présenter les arbitres. Jean-Marie Méouas, c'est lui. C'est sa deuxième année. Il arbitre les Masters depuis 2 ans, et la finale notamment. Il va falloir lever le bras. Putain, j'ai mis à la santé comme il faut pas. Je peux encore jouer la mienne. Oui, tu m'as pointé la tienne. Ah, à l'arrivée, moi, je pointerai la tienne, parce que tu peux... Je vais jouer pareil, je peux faire un petit peu dans la sienne, je peux... Allez. Allez, Mathieu. Allez, mon petit. Joue bien ça là encore, allez. Allez, Matt. Ah, je vais tirer l'entrée, s'il te plaît. Ouais. Ah, du tiré d'entrée. Ouais, jeux, il a perdu le plus mauvais endroit. Alors, en revanche, c'est un pour court, hein. Il ah, était long. Un pour court, de toute façon. Mais il a bien accroché la boule. C'est ça. Bon, il fallait jouer un petit alors, peu Dylan comme ça. Rocher. Un peu moins fort, mais c'était le jeu de jouer comme ça. Passe à l'offensive. Bravo. Bien. Avec un palais. Un recul, ouais, très bien tiré. De toute façon, comme je vous disais, hein, c'est pas du Dylan de manquer 4 boules de suite. Donc forcément, maintenant, il faut s'attendre à une super réaction de sa part. Et regardez, Hervé Crozat nous propose ce décor magique du pavillon Baltard. Vous savez qu'il a été construit à la demande de Napoléon III. Une demande formulée à l'architecte Victor Baltard. Il avait demandé justement que ce pavillon, qui allait abriter les Halles de Paris, soit en forme de parapluie. Eh bien, il est parfaitement réussi. Il a été réalisé à la fin du 19e siècle. Allez, pas doucement, essaie de jouer en direction. Et le pavillon Baltard est d'ailleurs le seul pavillon qui a été sauvé dans le genre. Et il a été transposé ici à Nogent, sur Marne, démonté, remonté, inauguré en 1976 et classé monument historique en 1982. Merci Napoléon. Merci. Simon. Là, je sais pas, je suis pas voyant, mais je me demande si Simon va pas être remplacé par Philippe si ça continue comme ça. Pour l'instant, il fait une mauvaise entame et. Bien joué. Il a bien joué, Simon Cortés. Alors, on a vu il y a quelques instants, ça a échappé à l'œil de la caméra, mais on s'interroge déjà dans l'équipe Sevilla pour savoir. 6 mètres quintés ne devraient pas venir aux affaires. Et avec un carreau, s'il vous plaît, de Dylan Rocher. Ah, déjà, il a un niveau. Petit tournant de partie, il va tirer boulet bouchon et voilà, c'est ça. Qui est quand même plus en adéquation avec son standing. C'est sûr, c'est sûr. Tu fais jouer déjà, de toute façon, en printemps, tu vas jouer tes deux. De toute façon, là, c'est le jeu, il faut tirer un petit joker. Pour l'instant, l'équipe de Sevilla est dominée, donc là, il faut tirer boule sur le bouchon. Allez Christophe, continue. Allez.
Alors, c'est vrai que Christophe Sevilla pourrait avoir le bonheur de prendre la boule, mais pourquoi pas le bouchon? Ah, ça, c'est bien tiré. Alors, le carreau... Je crois qu'ils ont 3 points par terre. Ils ont 3 points, mais... C'était mieux si ça sortait, ouais. Alors... Je tirais le bouchon. Ils vont refaire quand même, non? Ça nous rappelle des choses. Demain. À Grenoble, demain, lors d'une demi-finale France-Thaïlande, où quasiment les Français étaient perdants. Une situation un peu similaire. Je crois que la Thaïlande avait 4 boules. Henri Lagrand en avait une. Et Henri a dit, mais attends, il a dit à Quintet, mais peut-être qu'ils vont se noyer. Et ils se sont noyés. Ah oui, je l'étais en direct avec mon pote Patrick Labo au téléphone. Exactement. Et, et ils ont gagné sur la même. C'est inouï. C'est inouï. Alors, Henri Lagrand connaît c'est bien pas les Thaïlandais qui... Non. Non, ça c'est vrai. Les Thaïlandais qui sont d'ailleurs parmi... Outsider. Ouais, je vais dire plus que ça. Peut-être favori dans le listing des favoris des prochains championnats du monde comme à Marseille. Je dis, c'est les équipes favorites, loin derrière les équipes de France. Oui, mais avec sur les Malgaches, parmi clair. Les étrangers. C'est sûr, c'est sûr. Thaïlande, Madagascar, Belgique, c'est le trio qui peut les inquiéter. Et les outsiders étrangers, on va dire l'Espagne, l'Italie, comme toujours. Tunisie, ouais. Voilà, ça va dépendre de l'équipe. Les pays du Maghreb. Je ne connais pas encore les formations, mais... Allez, Christophe, tu peux le gagner encore. Allez. Le gagner, vous avez compris que derrière cette ligne blanche, bah, c'est la ligne de perte. Mais la ligne de perte, pas jouer pour le gagner. Faut jouer pour c'est juste au fil. On va dire que le bouchon est... Ah, ben, elle est morte. Celle-là, c'est sûr, pas bien tombée. Là, alors, je pense que le grand Philippe Quintet risque de se lever de sa chaise et jeter quelques boules sur le côté. Oui. On a le point par terre, donc... Allez, Bruno. Alors, le point par terre, il n'y en a plus dans l'équipe Sevilla. Allez, et Bruno. Deux boules... Qui c'est qui change? Dans les mains de Bruno Mathieu Le Mathieu Gasparini Boursico. Ou Simon Cortés? Oui. Je crois que Mathieu, d'ailleurs, il vient de faire, vous le voyez, il vient de c'est faire un petit signe. Un petit signe toi, à Philippe Quintet. Je vois que toi. Alors, le règlement est simple. Avant la fin de la main. Il faut en aviser tout de suite l'arbitre pour pouvoir effectuer le changement à la prochaine main. Et sur le début de partie, logiquement, ça devrait être Simon qui sort. Maintenant, sur la dynamique de l'équipe, on peut aussi laisser Simon en espérant qu'il se remette de niveau avec Philippe. Non, c'est pas facile. Ouais, il faut juste là. Ah ben, joue bien en face, voilà, il manque rien. Allez, Bruno. Il doit manquer 10 en jouant en face. Allez, Bruno. Dubitatif, le maître Quintet. Bah, ça me rappelle un peu la finale de la dernière. C'est vrai que nous, avec Jean-Michel Puccinelli, on ne jouait pas très bien lui comme moi. On aurait pu très bien me sortir moi. On a décidé de sortir Jean-Mi pour garder la cohésion de l'équipe avec laquelle on avait été champion d'Europe. Et ça nous avait eh bien, réussi. Donc, c'est à moindre frais. Pour, ouais, c'est pas cher du tout. Pour l'équipe Sevilla, un point pour l'équipe de France, 5-0. Et Simon qui sort. Un point. Salut. La poignée de main de Philippe Quintet avec Henri Lacroix, avec Suchot. C'est vrai qu'habituellement ils jouent ensemble, mais cette fois ils sont adversaires. Simon Cortés vient de laisser sa place. À Philippe Quintet, c'est vrai, on est mené 5-0. Vous trouvez des solutions? C'est sûr, donc c'est sûr. Peut-être celle-là. Et c'est sûr que Mathieu Gasparini n'a pas du tout démérité avec son début de partie, c'est vrai. Donc Philippe peut rentrer facilement au milieu. Donc, Et on attaque la cinquième main, 5-0 pour la France. Il y a 5-0, donc il n'y a pas encore grand danger. Allez, c'est ça, il va faire une grosse boule par terre. Je vois après, j'ai joué droit. Je suis encore court. Bon, il les a pas pris. Ouais, ça aurait été bien d'en prendre. Ouais. Bon, en même temps, on n'a pas chargé. Hein. Non, mais 5-0. Si tu tires la marque, tu peux pas charger. Ouais, c'est vrai. Il était temps de trouver des solutions. 2-3 mains où c'était jouable, quoi. Il y a moyen de faire des belles choses. Allez, il faut essayer de les retrouver, ces mains. Bien joué, Mathieu. Bien joué, hein. À chaque fois, je les perds de justesse. C'est ça. Ah, pas gagné. Donc, pas grand-chose à chaque fois. Ah, faut que j'y aille. Allez, mon Christophe. Perdu, hein. Allez, Christophe, fais de la poussée. Je les gagne pas, les points. Ah, c'est bien, c'est bien. Joueur, si on y tire bien, ils font des beaux points. Hein. Enfin, on a envie de prendre très bien. Donc, il faut qu'ils aient pas et les obliger à pointer. 9m10. Allez, Chris, continue. Voilà. Allez, maintenant, allez, Christophe. Allez, c'est dit taper encore. Le on va dire que c'est une autre partie qui c'est débute. Ça, parce que, évidemment... Ça n'enlève rien au talent de Simon Cortés, mais il est tellement fort en persuasion, Quintet, oui, et en dynamique. Bien, bravo.
C'est pas facile pour les adversaires et pour les partenaires non plus. Donc, comme vous dites, c'est une autre nouvelle partie qui commence. Bon, c'est jamais facile de rentrer dans une partie sans jeter des boules. Donc Philippe arrive, c'est comme si qu'il n'avait pas joué de boule, donc c'est pas évident. Surtout les premières à tirer vont être évidentes. Henri Lacroix, 7 fois champion du monde, 1 fois champion d'Europe, 8 fois champion de France. Quatre Coupes de France des clubs, 3 fois champion de France à la Provençale. Ça, ça me plaît de le rappeler parce que tout le monde ne le sait pas. Ça veut dire qu'il a plus d'une corde à son arc, c'est pas seulement dans la pétanque qu'il excelle. C'est sûr. Ah bon, mais... T'en mets plus dur, Ah, mais déjà, si je tombe là, c'est bien, mais déjà, la première, j'ai fait un peu bizarre. Allez. C'est tombé plus dur, t'as entendu le... Déjà, la première, j'ai fait un bruit bizarre. Un bruit. Il y a moins de gravier, là. Bravo. Super, bien. Bon, lui, déjà, il a passé la surmultipliée. C'est sûr que ça fait 5 de suite, là, qui tire à la perfection. Il n'y a pas Mathieu, essaie de rentrer. 5 frappes dont 2 carreaux. Mais alors, il avait débuté d'une manière catastrophique avec 4 trous. Fais quelque chose. Allez, Mathieu. Bien joué. Wow, il a bien joué. Très, très bien joué. Mathieu Gasparini, 30 ans. Bravo, Mathieu. Il était demi-finaliste de la Coupe de France en 2009. Il a eu juste le tort de tomber sur le Duc de Nice. C'est ça. Bravo. On ne l'arrête plus. Allez, Fifi. Allez, Philippe, il y a un peu de place encore. Allez, rentre dans le cinéma, allez. Allez, Philippe. Alors. Quintet à deux boules. Ouais, c'est pas une entrée facile pour Fifi. Hein. Non. C'est ce que j'allais vous dire. Entrer dans cette finale, être mené 5-0. On est à la cinquième même. Il va falloir se montrer inventif, mais l'homme est capable. Ça, c'est sûr. Il a gagné 3 fois les Masters. Oh, en plus. Pas bien tombé, eh oui. Elle s'est explosée. Elle est partie à l'équerre, t'as voulu. Là, faut le faire. Là, faut le faire. C'est pas possible, ça. Putain. On voit bien. Oui. Ça, c'est le coup malheureux. J'étais bien au milieu de la boule et du bouchon. Et qui va avoir des conséquences que pour l'instant, on a l'impression que l'équipe de France a 3 points par terre. 3 points par terre, 2 boules à 2, avec un point qui est très difficile à gagner. Tu as compté celle-là. Ça ne change pas grand-chose. Non, c'est pas. Pas grand-chose. On peut me faire un petit bouchon. Petit machin, c'est allez pas... Philippe. Allez. Allez Philippe. Ah, elle s'est explosée comme ça. Déjà qu'il n'était pas très bien sur la main. Bah, ils avaient la boule d'avance. Donc, oui. Mais là, c'est sûr que maintenant, ça se complique. Il y a des chutes des fois. Elles sont... Bien joué. Voilà. C'est quasiment la même. Voilà. C'est après. C'est le facteur réussite. La première, elle est partie à l'écart. Qui entre en ligne de compte. Regardez. Il adore jeter les boules, c'est un peu votre façon de jouer sur ce terrain-là. Vous êtes quelques-uns. Ah, vous, bien. Comme Radnik. Il y a vous qui aimez plomber les boules. Hein. Là, c'est avantageux, c'est vrai. Si on met un petit coup de poignet et qu'on voit un mètre du but, c'est plus facile à les contrôler. Mais bon, des fois, il y a des mauvaises chutes, on l'a vu. Cette première, elle m'a tué. Important. Allez, joue bien celle-là, Chris, encore. Faut bien jouer, Christophe Sevilla. Et en plus, il faut espérer un trou de Bruno. Ça fait beaucoup de choses. Moi qui l'embouchonne. Allez Christophe. Sevilla, 32 ans, 3 fois champion de France. Il a été en doublette avec Jérémy Darrode. En triplette avec la famille Darrode, James. Le père et Jérémy. Ah non, il n'y est pas. Il a été en tête à tête face contre Philipson l'an passé. Cette année, il a fait demi-finale en tête à tête avec le maillot. Donc, à peine, plus avant. Peut-être. Des balles de ping-pong, les boules.
Alors peut-être j'ai joué mal. Faut la serrer à bout. Ouais, deux sur. Là, faut se mettre à deux pour pouvoir mesurer. Donc, on découvre Patrick Dessay. Lui aussi, c'est sa deuxième finale. Elle ne compte pas, il y a des Masters. Deux. Il avait déjà arbitré celle d'Istres en 2011. Et il était aussi arbitre à la Coupe de France des clubs, toujours à Istres cette année. Le voici. Tu fais 3, si tu frappes, tu me fais 3, on sait jamais si tu la tires bien ou pas. Ah, j'en prends un, je peux pas essayer. Bah, il y a un petit risque du bouchon, voilà. Il y a juste ça, mais tu frappes. Allez, Bruno, il n'y a pas de danger, elle est dégagée. Allez, pousse encore là. Allez, Bruno, fais encore un effort. C'est pas faux. Le carreau, ça ferait 4. Bien. Bravo, bien. Super, bien. Ben, ça va faire 3. Bravo. 5 et 3, 8. 8-0. Très, très bien. Voici la mi-partie qui est franchie. Pour l'équipe de France. Non, moi je veux le serre. Pas dans la même pour des tirs comme ça. Ah, t'as vu, je suis au petit comme ça. Rocher Danois, le Borsico, à Sevilla. Je suis au petit. Ta première derrière ouais. Ah ouais, il me semble. 1m10. Ouais, ouais. Ouais, il me semble, si tu veux, on regarde. Monsieur l'arbitre, on va vérifier que le bouchon est à 1m05. Alors, pendant ce coup de mesure, on va en profiter. Michel, juste un mot sur la sélection des championnats du monde, justement parce que ça va être l'événement majeur dans le berceau de la pétanque, quand même, la pétanque nationale. Alors, il va y avoir le Boursicot, un canonnier, Dylan Rocher, un canonnier, Suchot, un canonnier et la Croix. Que pensez-vous, et j'ai même envie de dire, dans une sélection, vous auriez pu y être puisque vous êtes champion d'Europe en titre. Oui, c'est sûr que je faisais partie des 8 sélectionnables, donc... Apparemment, sur les échos que j'ai eus, on a été en concurrence avec Bruno Le Boursicot. Ils ont décidé de faire une équipe plus offensive. Donc, on voit que pour l'instant, ça leur réussit bien. Donc, j'ai pris la sélection avec beaucoup de recul. Et donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul avec l'équipe de France et me consacrer un petit peu plus à ma petite famille. Et donc, de commenter avec vous cette finale. C'est ce qui fait que vous n'avez pas disputé cette année les Masters, que vous avez gagné 3 fois. C'est ça, parce que j'avais possibilité de jouer dans la wildcard, mais j'ai préféré laisser ma place. Gasparini va essayer de le gagner, mais il est court. Eh oui, ça. Et il va falloir quand même maintenant s'appliquer. Quand on est à 8-0, toutes les boules comptent. Ah oui, mais là, malheureusement, l'équipe de France peut avoir un peu de déchets. C'est enfoncé. C'est plus le cas pour l'équipe Sevilla. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu. C'est jamais facile, le final. Des fois, on veut les jouer, mais on veut tellement bien les jouer que des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Bien. Bravo. Alors justement, par rapport à ce mini Tour de France, bon, c'était tout le temps à l'extérieur, hein, on joue en diurne en plus. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un problème de jouer en indoor sous les projecteurs? Est-ce que ça vous pénalise? Est-ce que les champions trouvent à redire? Oui, je pense qu'on a vraiment pris l'habitude déjà de jouer avec les micros et de jouer à l'intérieur. Forcément, l'ambiance est plus feutrée, donc moi j'aime autant. Et puis bon, les terrains sont en général assez techniques, puisque c'est des terrains fabriqués, par rapport à des terrains qu'on exècre un petit peu comme les terrains de foot qui sont trop, trop faciles. C'est vrai que là, c'est des terrains techniques. Il faut vraiment bien tirer, bien pointer. Donc, Philippe Quintet. Un coup tu plantes, un coup tu... Pas avancé, ça. Ah, ça se présente, vraiment pas bien. Ouais. Pas avancé, t'as vu. C'est possible. Un coup ça plante, un coup ça fuit. Ouais, c'est pareil, si on arrive à rentrer par Quintet qui a été impressionnant lors de la deuxième demi. C'est joué en direction, Philippe, c'était le bonheur de rentrer par deux. Oui. Où ils ont éliminé l'équipe d'Arod, Webel, Philipson, Radnik. 13-7. Allez, Philippe. Alors que pour sa part, l'équipe de France a battu l'équipe de Madagascar. Assez facilement, 13-5. Ouais, avec un très très haut niveau de jeu. Voilà, ça c'est bien joué. Le problème, c'est comme il apprend en plein fer. Il n'en a fait qu'un. Alors, Dylan Rocher. Allez, Dylan.
Bravo. Avec un carreau. C'est sa 10e frappe consécutive. En occultant évidemment les 4 trous de départ. Bah, il faut pointer, il faut essayer de pointer avec la mienne, c'est pas, tu peux rentrer dans la boule, tu peux rentrer dans le bouchon aussi. Ouais, Christophe, faut faire tirer, on n'a pas le choix. Tire au bouchon, c'est pas le jeu. Je suis un peu comme Mathieu, mais c'est vrai que. Si on en prend deux bouchons, on va être 0-10. C'est ça, bah, c'est ouais, ça. Si tu veux faire sûrement qu'au bouchon, tu peux même perdre dans la main. C'est sûr. Et en pointant, aussi. Moi j'ai. Si au moins il le gagne deux fois, ça fait tirer deux fois. Celle-là déjà. Allez Christophe. Allez Chris. Ah c'est moi, il a rendu une boule. Ben moi aussi. Je rentre tout de suite. Bien Christophe. J'ai bien joué. Bien joué. Alors, est-ce qu'on ne va pas assister à un remake de la dernière finale de la 6e étape qui était à Beaucaire, où l'équipe de France justement avait battu l'équipe Sevilla 13-2. Oh le carreau. Là encore. J'allais vous dire, si jamais il tire bien la première, après on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on tire pour casser la gagne ou est-ce qu'on pointe pour faire. Là c'est. Elle a touché, c'est. Allez Christophe, il faut encore essayer de bien jouer. Mathieu a beau faire de l'humour, c'est vrai que là c'est. Ah, je jouerai pas dans les boules, je jouerai plutôt entre les boules, c'est de venir par là. Ah, si tu rentres dans les boules, tu vas rien faire de propre. Que... Après, c'est les ballons de football, les boules. Hein. C'est sûr. Hein. Ouais, c'est de faire quoi. De toute façon, tu veux faire quoi. Philippe Suchot a retrouvé le sourire. Note, là, entre les boules, là. Je parle, ah bah Philippe, pas. Lui, il peut rien lui arriver. Bah lui, sans jouer, va avoir sa 5e étoile dans les Masters. Ah, mais même quand il joue, je me rappelle d'une déception que j'ai eue avec lui à un championnat du monde, on venait de perdre. On vient de perdre la demi-finale et lui, il demandait ce qu'on allait manger le midi. Donc, de ce côté-là, il est vraiment très fort. Allez, dans la tête. Christophe Sevilla. Ah, il l'a bien gagné. Ah, il manque un petit quelque chose. Dommage. Faut être dans le bouchon. Carreau gagné. Carreau gagné. Ah, bueno, fais encore un effort. Alors, l'effort, c'est de taper pour marquer. Déjà, le carreau, c'est gagné. Déjà, ça fait 12. Eh bien, pour la peine, personne ne marquera. Un point, un point. Henri a encore une boule. Alors, un point. Alors, un point. Ça fait donc 9-0. Avantage 9-0 et Gasperini, Cattel et Sevilla ont besoin de l'encouragement. Il y a le feu. Allez, les marrons. Allez, ton. Ça ne fait rien. C'est un tas de carreaux, mais tu la frappes. Ah, j'étais sûr que t'allais me taper. Ouais, pas bien, c'est un sentiment. J'ai vu que je suis pas un sentiment. J'ai dit, il faut que je la chope un peu comme il faut. Arrivé là. J'ai un sentiment, j'ai vu que j'étais pas la 7e mène est toujours le même, inexorablement depuis le début de cette finale. C'est Henri Lacroix, ce qui veut dire évidemment que c'est bon signe pour cette équipe de France. Et vraiment. Henri Lacroix est impressionnant. Vous diriez en forme mondiale. Oui, mais bon, il est tout le temps. Il est tout le temps. Allez, Christophe. Ah, il faut absolument marquer pour l'équipe Sevilla et raccourcir la distance pour avoir une petite chance de rivaliser. Il a tourné la main. Ah, c'est sûr. Alors, entre une équipe où on fait des trous. Et l'autre où on fait des carreaux, il ne peut pas y avoir match. Allez, comme on dit souvent, pour l'instant, ils n'ont pas une tête de vainqueur, c'est clair. Non, c'est sûr. Bon, cette fois, elle est partie, mais les deux boules sont noyées. Ça vient donc à Mathieu Gasparini, mais déjà, Sevilla n'a plus de boules. 5 boules à 4. Allez, Mathieu. Mais moi j'aime bien le discours de Philippe Quintet. Qu'on soit mené 7, 8 ou 9, 0, même 10, 0, le vent peut tourner. Allez Mathieu, bien sûr. Allez, je vais faire un bon. Allez Mathieu. Il peut y avoir tout d'un coup une opportunité, un grain de sable à droite et à gauche.
On se souvient en demi-finale, justement, l'équipe de France a eu des occasions. Aïe, 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 mais il faut les mettre, faut les mettre beaux. Le seul salut, c'est de raccourcir la distance. Ils sont injouables à ces distances-là. Henri perd jamais un point. Dylan fait toujours quasiment 2 sur 2. Ouais. Donc après, Bruno, au milieu, c'est du pain béni. Donc faut les jouer entre 6 et 8 mètres. Là, on peut rivaliser plus facilement, mais c'est pas pour ça que c'est gagné d'avance. Alors cet été, Henri Lacroix, Suchot, Quintet ont gagné l'Europétanque Azur. Bravo! Chier, putain! Ouais, c'est grave, putain! Ouais, c'est essentiellement la boule, hein, tu le gars! RSQ. T'as vu qu'il est RSQ? Allez, Matt! Allez, Matt! On va prendre des coups! Hein. Ouais, je sais bien! Sûr! Je sais bien! Ah, et oui, deuxième participation pour Mathieu Gasparini, évidemment! C'est bon pour lui d'être là, mais ça va. Il l'a gagné. Il a essayé de la jouer sa boule. Il l'a pas mal joué quand même. Hein. Elle a dévié un petit peu. Ouais. Il avait juste la force pour en faire deux. Allez, Dylan Rocher. Deux boules. Allez, quatre boules contre deux. Il a la main. Bravo. Super, oui. Il a manqué les 4 premières, mais je crois qu'il doit être à 9 de suite. Là, avec 11e frappe de consécutive. Suite, avec 5 ou 6 carreaux. Non, 3 carreaux. 3 carreaux et 3 palais. Hein. Mm. Ah, comme dit Philippe, là, ils sont vraiment sous les coups. Il n'y a pas vraiment de défense. En bouchonner, c'est difficile avec la boule de devant. Donc, La bonne inspiration de Philippe Quintet, ça serait de venir pousser un peu la boule de Mathieu Gasparini. Pour essayer d'en faire deux. Elle a l'air un peu loin quand même. Pas tant que ça, vous avez vu, il a essayé quand même. Ouais. Bien joué. C'est le jeu. Retard de boule. Ça a fait 1,5. 1,5. En deux fois, c'est possible. Oui. Bravo. On est sur une mène de gagne. Et Dylan poursuit avec beaucoup d'assiduité et de talent son entreprise de démolition. 3 boules en main, 1 point par terre. On tire 2 fois pour 3. Si Bruno se double, l'équipe de France peut finir sera là. Victorieuse. Ouais. Il faut qu'il se double et qu'il fasse un palais pour gagner. Bien joué. Il a bien joué, Philippe Quintet. C'est vrai que le bec qu'il a fait, il se trouve que la boule de Gasparini est plus tellement dans le jeu, mais bon. Allez, le Boursico, que va-t-il faire, Bruno? Il n'y aura pas de vainqueur. C'est pas grave, un coup sur deux, c'est bien. Allez, Bruno, fais l'effort. Un peu d'oxygène pour l'équipe Sevilla. Bien. Ça va, bien. Eh bien, un point, 10-0 pour l'équipe de France. Avez-vous mené deux matchs pour l'équipe de France? Il fallait donner le niveau, ça double. Tu redis encore une fois de mène deux matchs et je t'enlève le micro. Hein. Ça enlève le micro. Imagine, il fait 4. Putain, pas de courbe. Putain, t'es lâché. C'est chiant de faire pour rien, alors c'était bien. Tu tombes de la première, c'est casqué de carreau. Ah, tu peux pas avoir la première. Il suffit qu'il y en a un peu, mais tu l'aurais pu. Ah, elle est courte. Sorti de même, j'ai pas de courbe. J'ai lâché là au lieu de lâcher là. Imagine. La deuxième est importante, on marque. La cité mène. Il n'y a quand même pas de courbe. Et Henri Lacroix. Usant. Usant pour l'adversaire, parce qu'on le sait bien. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a pris le fil du terrain. Ouais. Il a exactement il le style. Il est injouable. Il ouais. Faudrait faire un petit carreau d'entrée. Décidément, Sevilla ne tourne pas à plein régime. En demi, il a été mieux que ça. Il avait débuté 8 sur 8. Pas droit. Eh oui, pas droit. Il faut tirer, les gars.
Eh ben oui. Tirer, celui-là, tu vas planter, t'as 90% de chance, voire plus, de ne pas le gagner. Il va falloir retirer après, t'en tirer de suite. Allez, allez Christophe. Ça emprunte une certaine logique. On a presque envie de dire, pour rester en vie, il faut taper. Ah, il a tapé, mais mal. Enfin, elle a bougé. 8m30 pour le bouchon. Eh oui, il n'est pas droit. Allez, Mathieu, essaie d'embouchonner. Et là, il va falloir que Gasparini et Quintet soient très forts au point. On est encore obligé d'annoncer que ça va dépendre de la première que va tirer Dylan si jamais il tire sur la boule à Gasparini, si jamais il va le faire palais. C'est une main où Philippe va se lancer au bouchon, c'est sûr. Et Philippe, depuis qu'il est rentré, il n'a pas tiré encore de boule. C'est pas chose aisée. Elle est bien. Elle est bien. 7m50. Bravo. Sans concession, Dylan Rocher. C'est presque le pire des tirs pour l'équipe de Philippe Quintet parce que là on hésite encore à tirer. Mais je pense que c'est le jeu. Bah oui. Ah, c'est le jeu. 4 boules pour en taper 3, ils ont encore cadré la boule. De toute façon, c'est soit ça, soit on essaie de se mettre dans la boule. Allez, Philippe, t'es capable, allez, envoie-le dans les planches. Allez, allez. Allez, Philippe. Eh bien, vous l'avez compris. Allez, fais-nous jouer encore un peu. C'est le dénouement qui se joue maintenant. Philippe Quintet, monsieur champion du monde avec ses 12 étoiles, ses 2 titres de champion du monde de coach, va essayer de rester en vie. Il a 2 boules pour prendre le bouchon. Bravo. Oh, bravo, magnifique, ovation, ovation pour monsieur Quintet, extraordinaire, oui, même les adversaires sont en train de féliciter Philippe Quintet, regardez, ça mérite les ralentis proposés par Hervé Crozat, plein dessus. Hein. C'est quand même pas un homme qui aime le suspense, il aurait pu manquer la première, comme la deuxième. Oui, mais bon. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais... Il faut mieux jouer. C'est de faire déjà vu. Hein, c'est de bien jouer. Des petits calais. C'est sûr. C'est justement contre ces équipes-là qu'il faut essayer de se faire violence pour vraiment faire du jeu. Ça a raccourci un petit peu, j'ai l'impression. Bravo, Iton. Voilà, 9e main. Ça fait 2 mains que l'équipe Sevilla arrive à se sauver. Combien de temps ça va durer? Parce que Henri Lacran encore mis une belle boule. Ah là, faut taper, ouais, faut faire palais, là, faut réagir tout de suite. Allez savoir, ça peut être un déclic. Et je pense que le bouchon est un peu plus court que les mains précédentes. Et on va quand même dire que Philippe Quintet, qui est rentré en piste à la 5e main. C'est pour ça que des fois, les vieux comme nous, des fois, on peut encore servir avec la jeunesse. N'est-ce pas? Il n'avait pas tiré une boule et il trouve moyen d'attraper le bouchon. Henri Lacroix. Bravo, Riton. Au moins, il ne reste plus. Il reste plus. Il peut le frapper, mais. Allez, Christophe. C'est quand même bon pareil. 8 mètres. Bravo. Et Caro. Bien, Christophe. Bien. Dynamisé par la réussite de leur chef de file. Tout d'un coup, ça leur a donné du tonus. Il y a un petit mètre de moins depuis le début de la... Ils sont encore convalescents. Il y a 8 mètres, il n'y a plus 9,50 mètres. C'est un peu moins dur, même si ce n'est pas facile. Mais... Alors, Bruno Le Boursicot. Il aussi a gagné 2 fois les Masters, il a bien joué. Champion d'Europe 2009. 3 fois champion de France. 2 fois vainqueur à Millau. Alors, Quintet. A tapé le cochonnet. Maintenant, il faut taper la boule. C'est ça, c'est pas toujours plus facile. Ah, il la voyait sûrement mieux que ça. Vous avez vu, il a bien enrobé la boule. Bien tiré quand même. Oui, c'était bien tiré. Il est déçu parce qu'il est, perfectionniste. Oui. Ah, c'est surtout le score en 0-10. Il fait pas là, il y en a 3. Là, on en défend qu'un. Il prend sur l'oreille. C'est ça. Oh Bruno. Il s'en tire bien Bruno là. Ouais, il était droit au bouchon hein, un peu. Eh oui, mais bon.
C'est ça. Ah, la réussite va toujours à l'équipe qui joue un peu mieux. Exactement. Allez, Philippe. Là, du coup, maintenant, Philippe tire à deux. Alors, il y a un beau coup là à jouer. Vraiment, ça peut être un départ. Bravo. Oh, bien tiré, Philippe Quintet, bravo. Bien tiré, Philippe, super. Super, Philippe. Hein. Ben, allez, dédié à toi. Alors. Il y en a toujours deux. Il y en a deux, ouais. Allez, Dylan, essaye. Il n'avait pas perdu, il n'avait pas touché le bouchon, je crois. Hein. Ouais, il avait perdu. Ah, c'est sûr, il a raison, Philippe Quintet. Ah, ouais. S'il ne prend pas le bouchon, Bruno Le Borsico, il l'a perdu. C'est ça. Mais c'est ça. C'était presque mène de marque sûre, maintenant faut. Bravo. Ça va. Ouais, ça va, ça va. Putain. Il l'a gagné tout juste. Pas complètement convaincu, allez, Philippe Quintet. Allez, 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 allez Mathieu. Alors. Allez, pour toi, allez. Ça, là. Allez, Mathieu. Pareil, Gasparini. Il a pas tiré. Allez, Matt. On l'a pas vu tirer une seule boule. Oh, il est pas droit. Il est pas droit. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Fait chier. Putain, allez, Mathieu, celle-là. Hein. Allez, celle-là, il faut y aller. Faut y retourner. Allez, fais un effort, Mathieu. Allez, Mathieu. Celle-là, mets-y ah, droit. Ça fait mal parce qu'ils avaient une bonne main. Hein. Il faudrait pas qu'il y ait un mauvais contre. Là. S'il y a un mauvais contre, il faut se retrouver quand regagner. Ah. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Décidément. Putain, fait chier. Eh oui, manquer double là, c'est grave parce qu'ils vont en rajouter deux. C'est ça. Et ils vont se retrouver aux portes du titre. Ça, on est déçu pour Mathieu parce que bon, c'est vrai que donner l'opportunité de jouer une finale, c'est toujours intéressant de la jouer, mais il faut avoir la chance de bien la jouer parce qu'après, ça laisse des traces. Bravo. Deux points pour l'équipe de France qui n'est plus qu'à un point du bonheur. On va le mesurer dans les deux sens d'ailleurs parce qu'il est peut-être en 92 cm. 92. Non, il n'était pas bon sur la largeur de toute façon. Le bouchon n'était pas bon. Il faut 10 mètres et il faut 1 mètre ouais. Sur le côté. Allez, Riton. Allez, Riton. Allez, continue. Allez, go. C'est deux, c'est deux. Hein c'est deux, c'est deux. Ben non, le seul truc, c'est que quand même, si je ne prends pas le bouchon, tu ne fais pas rentrer l'autre là-bas. C'est bien, il a gagné tout de suite. Ouais, ouais. C'est la dixième main qui débute maintenant, toujours avec le même homme, depuis le début de cette finale. Henri Lacroix. Oh! Un événement. Oui. Comme dirait l'autre, c'est le moment d'en profiter. T'es en plein divorce avec le bouchon. C'est normal, hein. Bon, ouais, il en rigole. Voilà. Partenaire et adversaire en rigole. Si tu veux avec moi que tu pointes comme ça, je gueule. Hein. C'est ça, parce que le public a manifesté un petit peu. Ça, c'est une image sympathique. Gasparini doit le gagner, et bien. Oh là 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 là. Voilà, là, Gasparini, lui non plus, hein. C'est sa première finale, mais il est pas trop dans son assiette. Il va gagner encore celui-là. Allez, Riton. Ah, c'est le problème, c'est vrai, c'est pas facile de jouer à 4 et de faire plaisir à tout le monde. Sans moi, il y a des fois des équipes à prendre, on a plus d'affinité, plus d'automatisme, mais là, on sent qu'il y a. Oh là là là. J'ai dit. Il y a un champ de mine. Ah là, c'est pas mal. C'était la main Henri Lacroix. Il y a un champ de mine. Ouais, ben, vous avez raison de le souligner, parce que la main précédente, c'est vrai, quand on voit les deux trous de Mathieu Gasparini, on pense à Simon Cortés. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident. C'est vrai que sur le début de partie, il n'a pas démérité. Maintenant, l'expérience est un petit peu plus du côté de Simon. Donc, mais bon, je suis assez déçu pour Mathieu. J'espère qu'on n'en restera pas là et qu'il aura l'occasion de se rattraper dans la main suivante. C'est vrai, est-ce qu'on peut y arriver? Eh, hey, dites-moi, c'est vrai, il risque un peu d'y arriver, si les choses voulaient un peu évoluer, l'équipe Sevilla est peut-être en passe de marquer ses premiers points. Ça va y aller. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ah bah c'est sûr. Putain, tu vas pas chercher, s'il prend pas ta boue, il a perdu.
perdu. Et c'est dit, puis là c'est dur parce qu'il aurait renvoyé pareil. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'on fait? On pointe. Imaginez la malchance que Mathieu, il en bouchonne sec à celle-là. C'est sûr. Alors Mathieu, là, en revanche, on parle souvent des, comme au tennis, des points importants. Ben là, c'est une boule importante. Ouais. Parce que si Mathieu vient le gagner, il fait jouer les autres. Et il... Ah ben voilà, ça c'est une boule capitale. Parce que ça met sous l'été noir l'équipe de France. En espérant que Dylan ne va pas tomber sur le bouchon. Ah oui, alors ça serait consternant. Pour l'équipe. Ouais, je sentais bien qu'il a envie de tirer un peu au bouchon. Ah bah non, mais attendez. Si on en perd deux ou trois, c'est pas grave. Non, parce que du rond, il y a le bouchon. C'est un peu gourmand, 12-0, mais c'est... on est obligé d'y penser. Mais... À voir. Si tu veux, remarquez, il peut tirer dans le bouchon. Ah, si je veux, ouais. Ah, c'est bon. Non ouais, allez, va, allez, vas-y. Bon. Allez, Dylan. Allez, oh. Là, vous êtes adversaire. C'est la période. Plus. Alors, vous dites, c'est pas possible, on a. C'est la période. Alors, Dylan. On est capable. Il a le repère en plus avec cette boule. Bravo. Eh ben voilà. Bravo. Là, c'est, là ça va devenir désespérant pour l'équipe Sevilla Quinté. C'est pour ça que je pense que c'était le jeu de tirer pour éviter justement Gasparini, ça. Gasparini, Cortés. Là. En tirant dans le mouchon, j'ai dit c'est pas sûr quand même qu'il veut toucher la boule s'il monte parce que. Ah. Non, mais si. Même si je tirais bien, je compte dans la main ou quoi. Alors imaginez Henri Lacroix. Il a perdu deux boules dans la partie, elles sont pas comptabilisées. Ah, mais tiens. Là, on se demande ce qui peut leur arriver, c'est clair. Onzième mène, 12-0. Non, non, vous ne rêvez pas. Bravo. Alors on va dire évidemment que cette finale pour l'instant est à sens unique, même si elle a dépassé l'heure de jeu. Allez. Bien. Le carreau. Ouais. Le bouchon est à 6m60. 6m60 le bouchon. Alors là, ça peut être une mène. Impératif de taper pour Christophe Sevilla. Oui, le palais va compter pour l'instant, c'est pas grave s'il fait pas carreau. C'est ça. Mais là, je suis pas sûr que ça soit pas Mathieu qui tire en deuxième position. Ah, peut-être, je sais pas si. Au cas où il raterait, c'est ça, qu'un tir et de nouveau à tirer le bouchon, ça pourrait être ça. Un peu de pression. Ouais. Oh, il a perdu. Alors là, ça va être différent. Parce que non, mais attendez, il l'a perdu. Ils vont tirer maintenant. Les Français vont tirer. Je ferai la mort à l'arrivée, il n'avait pas bougé. Avec, non? Ouais, tu peux jouer avec, tu gagnes le point déjà et que la touche est bien, on verra bien. Allez, ouais. Allez. C'est une solution. Allez, bon, je vais baisser là. Tout le temps court. Hein. Ah, t'imagines, on vous fait partir les boules. C'est vrai. C'est vrai qu'il est joué à bassette. Au milieu de la verdure. Ah, Bruno. Et puis alors, c'est ce qui est pire, c'est qu'il est mal tombé. Il a sauté sa boule. Et il l'a perdu. C'est vrai, comme dit Henri, il est joué un peu court fusé, donc des fois ça fait des. Son là, je pense qu'il va tirer. S'il fait pas aller à la première, ils vont en perdre deux ou trois, donc c'est pas trop grave. Tirerai presque à la boule. Tape deux fois, on en perd trois, on est 12-3. Bien sûr. Non. Quoi? Je dis, moi, je tirerai presque à la boule. Tape deux fois, on est 12-3. Tire le bouchon, si jamais tu le manques, on peut en perdre 5 ou 6. C'est pas. La boule, ça fait 12-3, c'est pas grave. Hein? Je retire au bouchon? Il y a un phénomène d'accoutumance. Non, mais là, c'est pas le jeu de tirer au bouchon. En plus, il peut faire petit recul. Je tape deux fois la boule, on en prend trois. Bah oui, si je le manque un coup, je tire à la boule ou je rentre avec, on en prendra trois ou quatre. Bah oui, mais la boule est quand même plus grosse. Moi, je tirerai à la boule, c'est jamais. Après, il peut faire meilleur, on ne sait pas. Allez, dis-le.
Allez, essaye de casser des points. Quand même, la voix de la sagesse. Hein. Vous partagez la vie d'Henri? Oui, moi aussi. Ouais, oui, bien sûr, c'est normal. On est sûr qu'on partage pas l'envie de dire. Le talent, la fougue, la jeunesse de Dylan. Bravo. Et en plus, il fait palais. Voilà. Bien. En plus. Oui, non, mais c'est que mis. Mathieu. Allez. Ouais, fais jouer la dernière tout de suite. Allez, Matt, si tu fais jouer la dernière tout de suite, c'est super. Hein. Exactement. Allez. Là encore, on est dans cas de figure où là, si Gasparini le gagne tout de suite à sa première. Mais là, ça, même s'il embouchonne, c'est pas grave. Là. Bravo. Il a bien joué. Bien. Oh là là. Ouais, Mathieu, bravo. Alors. C'est pas sûr qu'il tire. Ah, Oh. Ben non, parce qu'il y a du bouchon. Je ne sais jamais, si tu viens, tu m'as pas à côté, tu gagnes encore le tien, ben voilà. Je vais venir dedans. Alors, précise, il y a du bouchon, mais comme l'équipe de France n'a plus de boule. C'est ça. Et puis la boule là-bas. La boule à gauche, c'est la boule de Christophe. Ça pourrait avoir des conséquences. Ouais. Il faut pointer. C'est ça, 12 à 0, il faut gérer pendant quelques semaines. Il est cool. Bravo, bien joué. Mais il est dans le jeu, attention, il va falloir contourner tout ça, il va falloir avoir un bon GPS. Que va faire Maître Quintet? Il va tirer. Allez Philippe. S'il n'y a pas de contre, il va en faire 3. Pas besoin de points. Il joue là-bas. Bravo. Bien tiré. Ah bah allez Mathieu. Allez, si on en fait, fait 3, on aura un chacun. Allez Matt. Bien tiré. C'est bien passé. Ah, faut arriver. Bien Mathieu. Allez Philippe, je vous prédis, un bouchon à 6m01 la semaine d'après. On a besoin. À chacun. On aura chacun comme ça. C'est pas lourd. Les premiers points pour Philippe Quintet et son équipe. Il y en a trois. Les trois premiers. Quintet peut respirer. Il ne sera pas Fanny. Et il garde l'espoir encore dans cette finale. 12-3. Qu'est-ce qu'on fait Philippe, on raccourcit, on essaie de raccourcir, on fait quoi? Allez Matt, allez, essaie de te mettre dans le but tout de suite. Allez Mathieu. Allez Mathieu. Allez, fais tirer tout de suite. Allez Matt. On attaque la 13e main, 12-3, et c'est vrai que Mathieu Gasparini se souvient que l'année dernière à Istres, il avait été battu par l'équipe de France 13-12 après avoir mené 11-0. Alors il se dit, pourquoi l'histoire ne se renverserait pas? 10-0. Bravo. J'y étais. 11-0, je crois. 10, j'y étais. Ah oui, c'était 10. Allez, Matt, encore. Je suis juste pas sorti. Oh. Il a pas fait beau alors qu'il le fallait le faire beau. Oh, fait chier. Le bouchon de cette douzième se trouve à 7m20. Je suis en pause, les erreurs. Plus moi que j'y arrive. Ah, c'est ça, ça ne devrait pas être dur. Allez savoir. Ah, si, c'est 7m20, Sevilla bien droit, peut retarder encore une fois de plus l'échéance. Ce bouchon est en danger. Bravo. Bien tiré, il avait fait carreau, il est droit à la boule, normal, le bouchon est noyé. Ah. Est en plein face dans le but.
Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Bon, il y a plus de risques. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu. Important. Oh, Matt. De le faire beau maintenant. Je veux pas les monter comme il y a après. Et... Écoute, on va essayer de faire des petits carreaux. Voilà. Bravo. Allez, Chris. Le bouchon est encore en danger. Bien. Bien, bien, bien. Il l'a fait plus beau. Allez, ouais. Un peu de terrain, bien. Le point de Mathieu Gasparini, parce que le bouchon a un petit peu bougé. Regardez, sur ce ralenti proposé par Hervé Crozat. Et malgré les cailloux, il avance. Bah, le problème, c'est que pour l'instant, Henri, il les met quasiment là où il veut. Donc, si jamais il met encore en face de la boule... Ça va être dur de faire un carreau sans qu'il y ait de contre. Il a perdu peut-être. Ouais, il a perdu. Allez, c'est pas bien joué. Hein? C'est pas bien lâché. Allez, Dylan. Bravo. Il est quand même sur une drôle de série. Hein. Voilà, faut tenter. Il est 3-12 là, il va pas faire. Celui Dylan, là, il est sur une drôle de série. Hein. Plus un bouchon. Parce que ça casse, mais là, il faut essayer de faire des points. Allez, Chris. Allez, Christophe. Bravo, un carreau. Ben, hormis un trou à la dixième. Le temps de prendre des coups, c'est pas la peine. À la dixième main pour Rocher. On va dire qu'il a quasiment fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo. 14 frappes sur 15. 15 sur 16. J'ai perdu. Bah là, à ce moment de la partie, quand on est adversaire, bah, on a l'impression qu'il ne va plus manquer jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on essaye de le faire pointer le maximum possible. Si vous faites la revanche, il vaut mieux la faire à la belote. Hein. C'est ça. Allez, Mathieu. Allez, Matt. Allez, fais tirer encore. Allez, Mathieu. Bien, ah, bien, bien. Bien, bien, Mathieu. Bien. Alors, Bruno Le Boursico. S'il cadre, il empêche Philippe de tirer. Tout à l'heure, j'avais bien tiré, mais je t'aurais dit de mon cœur. Ouais, non, mais c'est pas facile. Je comprends très bien. On m'a retrouvé manqué de perdre un nombre. Si Fifi fait deux petits palais, on peut se retrouver 7 à 12. Hein. La tronche qui fait. Il est en train de faire la sieste. C'est exactement ça. Bruno Le Boursico est en train de demander un conseil, c'est surréaliste, à Suchot, qui était en train de piquer un petit somme. Alors. C'est pas qu'elle est boule, mais bon, c'est. Là, si t'as un mauvais compte. Je t'en mets un autre, c'est bien, Philippe. Hein. Allez, essaie de le mettre. Allez. Allez, Philippe. Allez. Je pense que... Allez, t'en mets un, t'as bien joué. Allez, Philippe. T'en mets un sur les deux, t'auras bien joué. L'esprit compétiteur, l'esprit super champion de Philippe, et bah, pas d'en glisser un, mais d'en mettre deux. Bon. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ah oui. C'est mal le connaître. C'est ça. Après, la réussite, c'est autre chose. Bien joué. Celui-là, il y est, ça fait deux. Bien super, joué. Philippe. Bien joué, Fifi. Allez, c'est bon. Essaye de mettre celui-là. Allez, Phil. Allez, encore. Eh bien, la 13e main de notre cher ami Marc-Alexandre ne sort pas la dernière. Oui. Bien.
Bravo. Eh ben bravo, il en a mis 3. Et en double capital, on n'est plus mené que 12 à 6. Et là, c'est pas fini. Changement au sein de l'équipe de France. Philippe Tuchot remplace Bruno Lebourgeois. Et un changement. Oui. Dans l'équipe de France, il y a eu un petit coup de mou dans l'équipe Sevilla. On a appelé tout de suite Quintet aux affaires. Eh ben là, maintenant, c'est Suchot qui s'y colle. Ah, qui s'équipe en micro. Voilà, Philippe Suchot, que l'on va équiper en micro HF et qui va remplacer Bruno Le Boursicot. C'est ça, on n'y pense pas souvent. Alors, dire, tiens, on fait un changement quand on mène, mais on sent que la petite dynamique est un petit peu brisée. Donc. On fait rentrer du 109, et du 109, Philippe Suchot, en finale de n'importe quelle compétition, on sait qu'en général, c'est du lourd. Ouais, c'est cool, après, on s'en fout, il faut essayer de bien jouer. Voilà. Si on perd en jouant bien, c'est pas grave. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Pas, c'est ça. Allez, Mathieu. Allez, Mathieu, allez. Allez, Mathieu, faut tirer. J'ai fait la sieste sur le mont. Allez, Matt. Allez, Mathieu, fais encore un effort. Mathieu Gasparini, à l'aube de cette 14e mène. Il faut le faire beau, Mathieu, Mathieu. Il faut lever la boule. Aïe, 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 exactement. Ouais, c'est ça. Je sens qu'il est un petit peu dans, un petit peu dans le trou. Bah, c'est-à-dire, il faut rappeler que cette journée est un peu marathon, parce qu'il y a eu les demi-finales, sûr, maintenant la finale. Alors on va dire, bon, physiquement... Ces joueurs ont l'habitude, mais malgré tout, nerveusement... Il y a la fatigue, c'est la pression, c'est ça. Il y a une fatigue psychologique qui s'installe. Nerveuse qui s'est installée. Je peut-être dire une connerie, je tirerais quasiment au but maintenant. Oui. On en a 4 pour le taper. Ça, c'est une connerie. Ouais. Il dit n'importe quoi, en plus, Mathieu Gasparini. Je crois, au cas où. De quoi parle-t-il ? Fais-moi un petit effort. Allez. J'ai touché deux. C'est votre option aussi ? C'était pas mieux de pointer ? Non, c'est mieux de tirer. Non, c'est mieux de tirer. D'accord. Si le petit palais, ça rafraîchit le jeu, puis... Wow. Ah ben, et non seulement, ben voilà, tir au bouchon, il l'a fait indirectement, involontairement, mais ça marche. De toute façon, si on rétrécit la distance, c'est pour tirer, hein, c'est pas pour prendre les coups. Donc, rien à voir le bouchon. Boule frappée, bouchon noyé. Allez, Mathieu, allez dans le bois. Allez, Mathieu. Ça va bien en faire un bon jour. Ça serait bien. Allez. Et dans ce décor magnifique du pavillon Baltar, l'équipe de France fait la course en tête depuis le départ, 12-6. Bravo. Oh, le carreau de Rocher. Dans cette 15e mène, quelle attaque. Il faut tirer tout de suite à la boule, je pense, parce que... Si jamais Mathieu pointe et qu'il perd le point, ils vont tirer tout de suite au bouchon. Christophe, qui tire bien depuis quelques mètres, peut rendre le carreau. Oui. Après, on attend de tirer au but. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas. Moi, je tirerai pas la boule, mais où ? Hein ? Décidément. Bah, je joue la mienne, mais j'en avais trop encore. Imagine, je fais un petit devant, un truc, non ? Bouchon, pas au bout d'une boule jouée, quand même. Là, c'est où on tire à la boule, bah, on tire au bouchon. But, alors on en a 4. Gasparini, on va le présenter à Bison Futé, il ne parle que des bouchons. Ah ouais, c'est un petit palais, Christophe ? Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a plus loin. Je pense que c'est toujours la solution. Ils ont 12, quoi, s'ils ont 11, je suis d'accord. Allez, Christophe. Non ? Allez, pas le dessus. Allez, allez, c'est bon, pas de problème. Allez, Christophe. Allez, Christophe. T'es 12 à 0 d'avance, si t'en manques plus, t'as perdu. Il l'a juste sauté, je peux vous assurer. Et est-ce que le grand si on était Suchot, dans l'axe. Il faut gagner une finale en rentrant sans jouer de boule. Sauter au fil. Allez, va. Allez, savoir. Ah, oui. C'est pareil. Allez, tire le bien maintenant. Je vais découper. Parce que le pire des tirs, ça serait de le frapper et qu'il sorte pas. Non, mais je crois qu'il commet une erreur là. Je suis même étonné que Gasparini ait eu l'adhésion de son chef de file. Alors, oui, ça va pas suffire ça. Malheureusement. Alors, ils ont le point. Là, on est trop bien. Non, mais là mais bien sûr, c'était mieux de tirer la boule. Allez, bon, on continue. En plus, sachant que Philippe a deux boules, de toute façon, même s'il ne fait pas palais, Philippe, avec deux boules en main, il peut y taper autant qu'avec quatre. Mais Sevilla peut faire palais. Bien sûr.
depuis longtemps, il en fait 2 ou 3. Ça, et puis moi les premières, moi les, la, ah, les deux premières. De toute façon, c'est clair qu'ils vont tirer au but maintenant. Non. Ah oui, oui, alors c'est peut-être ça, leur plan de mieux, salut, ça. Bien sûr. Non, c'est presque mieux pour l'équipe Lacroix parce que le bouchon pour qu'il sorte, il faut vraiment le tirer droit. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis, Quinté à deux boules, s'il vient à taper plein fer la boule et qu'il noie le bouchon. C'est sûr, mais je suis pas sûr que Philippe il aurait pas préféré tirer le bouchon seul. Oh, il a noyé. Il l'a noyé, décidément. C'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Quel tir. Et plein fer, vous avez vu. C'était important pour l'enlever. C'est les mêmes bizarres, quoi. Hein. Non, c'est vrai que j'avais bien tiré mon bouchon, j'aurais mérité aussi qu'il sorte. Hein. Allez Mathieu, allez, c'est de faire tirer l'entrée. Allez. Allez Mathieu. Ah, un petit plus pour nous. Bravo Mathieu, super, bravo. Cette fois, à l'aube de la 16e mène. Mathieu, Gasparini met la pression sur l'équipe de France. Bravo. Mais ça, c'est le cadet des soucis de Dylan Rocher. Je pense que ça doit faire 1h22 que la pression, Dylan, il l'a évacué. Là. Il tape les boules comme on enfile les perles. C'est qu'il cadre, il cadre quasiment sur toutes les boules. Donc. Tu vas pas jouer une seule fois. Ah, bien joué. Là, là, Mathieu. C'est ce que j'ai dit. Ça se trouve, tu vas pas jouer une boule. Casquette. Merci. Oui, casquette, mais bon. J'allais vous dire, la seule qui va manquer, si, quand il est en forme comme ça, c'est de faire une casquette, parce qu'il a vraiment un tir précis. Oui, oui, mais bon, la boule est partie quand même. À 12, 4 boules à 4. Les pointeurs font de l'effet, que ce soit Gasparini ou Lacroix, et Sevilla, dans le rond, doit taper cette boule. Bravo. Avec brio. Super, Christophe. Bon, là en ce moment, il y a des rebondissements. Non, non, il y a des belles mêmes de boules. Ouais. Il y a des trucs de fou. Tu veux pas faire une casquette? Pour l'instant, l'équipe de Philippe Quintet à chaque fois manqué perdu, mais. Ah! Il a bougé le bouchon, ça peut avoir une incidence. On est bon côté. Ah mon vieux, encore. Allez, Chris. Bien. Eh oui, maintenant il y en a deux. Et petite précision, c'est un quiz pour vous Michel. Combien de fois le bouchon a-t-il été noyé dans cette finale? Plus que 5 secondes. 4 ou 5 fois. Vous n'étiez pas loin, 6. 6. Ah, c'est fou même. C'est tellement rare. Ouais. Mais il y a une fois, elle a été noyée, mais pas. Ah oui, mais bon, il l'a été. Philippe aura joué une boule en finale. Oui. Suchot. Je crois qu'il en a laissé deux. Hein. Alors, Suchot, on va quand même rappeler 9 fois champion si Philippe, du si monde. Si Philippe fait frappe et rajoute, on est 9 à 12. C'est vrai. Allez. Allez, Suchot. Une fois champion d'Europe 2009, 10 fois champion de France, tête à tête, doublette, mix, 3 Marseillaises, 6 Mio, 4 Masters, 2 Europétan Casure. Ouh. 10
à 12, c'est pas une belle finale, ça? C'est là, là. Là, attention. Putain. C'est pas pareil. Quoi, des fois de raccourcir le jeu, je vous dis, c'est, l'équipe de France est tellement forte à longue distance qu'il ne faut pas les jouer loin. Deux points par terre. Et ça va me permettre de parler des dames qui sont de plus en plus présentes sur les aires de jeu. Dans cette saison 2012, du 1er au 4 novembre à Gand, il y aura les championnats d'Europe féminin. Et Alain Bidot va être le coach de ce beau monde. C'est ça. Et en même temps, je peux faire un petit coucou à l'équipe de Seine-et-Marne qui a été championne de France la semaine dernière. Puisque je les ai côtoyées dans mon club et sur les terrains. Et trois filles super. Non. Il est court, il y est pas. Alors là, je me serais trompé. En direction, c'est pas. On va toucher un peu. Je serais trompé parce que vraiment j'étais en train. Allez, c'est, grave, allez. C'est beau. Allez. Essaye de mettre celui-là, allez. Allez, file. Il faudrait pas qu'il prenne le bouchon en jouant la boule, par contre. Alors, il y en a un. Il y en a deux. Mais Philippe est un peu court à celle-là. En l'accrochant, il pourrait faire une grosse main. Attention. Ah bah j'aurais compté 4 avant qu'il joue, moi. Alors. Oh, il est long. Ah oh là là. Eh ben deux. Alors ça, je me serais bien trompé. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Même Philippe Quintet n'en revient pas. Deux seulement, 12-8. Et ils auraient pu être à deux dur, points. Hein. Allez, Mathieu, continue. Allez, Boto. Ah, c'est nul. Ah, on a fait ah c'est dommage. C'est bien, on en fait deux par deux. C'est vraiment dommage. 17e même. Ah, t'as pas perdu de boule jusqu'à là. Et... La première, j'ai pas vu que j'étais court. Après, ouais. J'ai dit, si je suis resté court, faut que je pousse un peu. Ouais, j'ai poussé. Un peu que j'ai poussé, j'ai perdu. Bon, la déception de... Alors que l'on attaque la 17e main, la grande déception de Philippe Quintet, c'est de ne pas en avoir glissé un sur les deux. Même un, je pense qu'il aurait été déçu. Même moi, le premier, je comptais 10 déjà. Si tu veux, j'en Allez. Ouais. C'est pas des joueurs, moi j'ai pas tiré, c'est pas des... Oui, c'est pour ça, je sais pas. Allez, Riton. Allez, Riton, continue. Bravo. Bien, oui. Et il s'en veut, Philippe Quintet. Il aurait bien voulu être à 12-10 pour mettre un peu de pression sur l'équipe de France. Bien sûr. Allez taper. À 10 à 12, ils auraient tiré. Ah bah oui. J'étais court. Oui, parce que quand vous dites ça, Michel, faut dire aussi que le score conditionne la stratégie. Parce que là, déjà, en tirant, ils cassent la gagne maintenant. Mais à 10 à 12, ils seraient lancés au tir. Allez. Allez, Riton. Il l'a bougé. Suffisamment pour que Henri gagne. Ah oui. Mais imaginez Mathieu Gasparini. Caro gagné, manqué perdu. Ben oui. Et là, vous voyez, ça bouge. Hein. Il y a de la dynamique côté Sevilla. C'est sûr. Surtout s'il venait à faire un palais, vous imaginez. Bravo, oh, le carreau. Bravo, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Allez, les ralentis qui s'imposent. Pour un coup de maître de Sevilla, le recordman du monde. Du tir de précision avec 67 points. Non, on dirait mieux, on verra bien. Ouais, c'est fini. Allez, Philippe. Non, j'aurais pas tiré encore. C'est pas parce que t'as checké, hein, mais je veux dire, ça revient même. C'est nous qu'il faut qu'on en tape 5, lui, il a pas encore tiré. Le point était moyen. Allez. Ouh, oh, va-t-on vers une nouvelle noyade? Pas sûr. Pas sûr. Allez, ça passe. Elle est pas belle à tirer, celle-là. Allez, Philippe. Philippe Quintet. Lui qui a été champion du monde à 4 reprises du tir de précision en 2002. Oh, la casquette, c'est pas vrai.
C'est fou. C'est le coup malheureux. Ouais. En 2002, il a fait 62, un record qui a tenu 6 ans. Faut y remettre. Allez, oui. Celle-là, oui. Allez, Philippe. Oui, oui, c'est. Là, on est debout là-dedans, de toute façon. Exactement. Celle-là, un petit peu en contre, en plus. Le nôtre, il est bon, on ne sait pas. Allez, Philippe, à ça là, c'est pareil, allez. Allez, Fifi, allez. Allez, Fifi. En tapant celle-là, ils sont encore dans le coup, mais c'est vrai qu'ils n'ont plus de droit à l'erreur. Faut pas qu'il y ait de contre. Ah, c'est sûr. Ouh là là, il a fait le trou, là c'est catastrophe. Ah, comme quoi. En deux mains. C'est ça. Bah, tu attends, en toi. Deux mains. Ah. Tiens-y, de toute façon, tu fais caron. On voyait un demi-pot aussi. Moi je tirais, tu fais caron, on a encore peut-être une chance de s'en sortir. Hein. Ah, tu fais caron, on est là, on est là. Ah, la main d'avant, elle a fait du mal à Fifi. Tiens-y, si tu fais caron, tu faut qu'il joue à fond. Un petit palais près, ça peut les obliger à pointer. Allez Mathieu, là, allez. C'est pas un petit caron, allez. Hey Mathieu. Ouais, évidemment, c'est difficile comme commande, lui qui a tiré deux boules et qui a fait deux trous. Hey, on sait pas, essaie de on lui demande l'impossible. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est pas un petit carreau. Tu vas encore nous sauver. Je suis d'accord avec vous, Mathieu. Bon, bah, vous l'avez compris. Ce sont vraisemblablement les derniers instants de cette finale. Il faut faire carreau. Bien. Bon, il n'a pas fait carreau, il l'a enlevé. Il aura cette satisfaction, mais forcément insuffisante. T'es capable de le gagner encore. Hein. Ah, non, Fifi. Fifi nous a fait un petit bouchon qui a tué le suspense. En plus, allez. Philippe l'avait bien tiré pour l'enlever seul. Oui. Mais... Si tu ne mets pas, tu boucheras bien le trou dedans. T'inquiète. Alors voilà, la boule de gagne pour Philippe Suchot. Non, il en a vu des occasions, il n'a jamais perdu une finale dans les Masters. Il est court. Non. Allez, Didi. Il est court, et bien voilà. Allez, Didi. Allez, Dylan. Il y avait Suchot, mais il y a aussi Dylan Rocher. La petite merveille de la pétanque, celui qui a gagné la Marseillaise cette année. Avec Robineau, avec Dubois. Et voilà, c'est fait avec un palais. Bravo. L'équipe de France a bien préparé ses championnats du monde d'octobre à Marseille. Il vient de battre Philippe Quintet, l'homme aux 12 couronnes au championnat du monde. 13-8, mais que ce fut dur. Une partie qui a duré plus d'une heure et demie. Bravo. Voilà, on a plaisir à se retrouver sur l'aire de jeu avec les champions des Masters 2012, Philippe Suchot, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot. C'est une belle préparation des championnats du monde à 3 semaines de cette grande compétition majeure de fin d'année. C'est un bel événement et dans 3 semaines, j'espère faire le même résultat, c'est-à-dire remporter le maillot avec mon équipe et donner un titre à Dylan en senior. Alors c'est vrai que c'est votre 5e étoile, vous êtes le recordman de toute catégorie tout de même. Vous avez gagné dans la souffrance après avoir mené 12-0. Explication. On a joué un petit peu moins bien. Et ils se sont mis à jouer plus court et ils ont fait la différence. Bon, c'est bien qu'on ait fini comme ça sur une frappe de Dylan pour finir. C'est bien. Et bravo à Dylan Rocher qui a réalisé le doublé. Le dernier mot pour Henri Lacroix. Ce sont vos derniers Masters. Vous faites adieu à cette compétition et on vous félicite pour votre parcours parce que vous avez 4 étoiles au Masters. Voilà. Et puis je souhaite de même à tous ceux qui vont arriver prendre ma place. Merci. Le mot de conclusion pour Michel Loire. Bravo à Bruno Le Boursicot. Oui, je pense qu'on a eu une très très belle équipe de France durant tous ces Masters. Et on leur souhaite de rééditer encore leur exploit pour les championnats du monde. Et comme dit Philippe, apporter un premier titre à Dylan parce que les vieux briscards, ils en ont pas mal. Merci. Bravo les champions. Merci Michel Loire. J'espère que vous êtes régalés autant que nous à commenter cette belle finale à rebondissement, à suspense. Bravo à l'équipe de France. On se retrouve évidemment pour l'événement majeur de cette fin d'année, les championnats du monde de pétanque. Ce sera à Marseille du 4 au 7 octobre. En attendant, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur la 3. À bientôt.